campagne que j'ai pris dans la gueule. Je m'en suis fait mettre plein la gueule sur le sujet. Je me suis pris dans la gueule des attitudes caricaturales. Ah, ça va. Je ne suis pas qu'un enfant de gueule. J'assume l'intégralité. C'est moi qui ai voulu. Le valet du MEDEF, je suis le valet des médiors et je suis le valet du crédit de la désinformation et ce sont des saloperies politiques. La voix off. Polémique. Ça, c'est la caricature. Il est le moment, monsieur Hollande, dans une démocratie où on ne peut pas mélanger l'exigence de carottes et l'exigence de chou-fleur. Et je dénonce, monsieur Hollande, en vous regardant, la lâcheté, qu'il y a dans votre chou-fleur. Asseyez-vous. Comment ? Je le redis, asseyez-vous. La lâcheté. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas un peu surmené en ce moment ? Pas un peu surmené. La lâcheté. Il est stressé. La lâcheté. Ouais, il a un peu pété les plombs, hein. La lâcheté. On s'est demandé s'il n'avait pas pris des produits... La lâcheté. La lâcheté. Merci. Monsieur Hollande, allez. Monsieur Hollande, allez. J'ai de la haine. Ah, monsieur Hollande, je vous en prie. Monsieur Hollande, on se conduit bien dans l'hémicycle, monsieur Drey. Allez. Allez-y, monsieur Perreux. Mais ça fait rien. Allez-y. La lâcheté. Mes chers collègues, afin que notre assemblée retrouve sa sérénité nécessaire à ces débats, je suspends momentanément la séance. La voix off. Polémique. Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un...